je sais, mais... Faisons-les attendre plus longtemps. Oui, oui, c'est là le problème, j'ai promis. Voilà. Prévenez-moi si vous changez d'avis. Salut. Salut. Je viens de téléphoner au repreneur de Ramati. Il va s'accrocher. Tu as tenu ton prix? Mais oui. Bravo. Je voudrais avoir ton culot. Culot? Tu sais bien ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a? Connors. Connors? Il n'y a pas très longtemps qu'il bosse ici et je vois pas pourquoi il doit passer avant toi. Parce que je n'ai pas osé lui faire face. Mais pourquoi? Ils ont pris leur décision, voilà pourquoi. Barbara, ne te laisse pas marcher sur la tête sans arrêt. Tu es dure envers toi. Tu as investi toute ta vie dans cette compagnie. C'est bon. On y va? J'ai réservé la table pour 7 heures. Qu'est-ce que c'est? Une surprise pour Gunnar. Ah oui? Et à quelle occasion? Parce que je suis folle de lui. J'ai garé ma voiture de l'autre côté, je t'attends là-bas, d'accord? D'accord. L'homme a agressé. Il faut appeler la police. Tu es sûre que tu vas bien? Oui, ça va. Un pied écrasé, c'est faible comme indice, madame. Si vous voulez, la prochaine fois, je le ferai poser pour une photo. On fait notre boulot, madame. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça à côté de ma voiture un peu avant qu'il m'agresse. En général, c'est pas le genre d'arme qu'on utilise pour une agression. Bien. On va vous envoyer au service des urgences. Et à part ça, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire de plus pour vous aider. C'est réconfortant. Merci, commissaire. Ça va aller maintenant. Avec plaisir, madame. Bonne fin de soirée. Merci. Bon, j'ai besoin d'un remontant. Que dirais-tu d'un verre d'alcool? Oui, bonne idée. Tu sais à quoi je pense? Que tu te protégerais mieux avec un spray? Si ce gars-là avait vraiment voulu me faire du mal, je ne serais pas ici avec toi. Tu as eu de la chance, voilà. On l'a engagé pour me faire peur. Engagé? Tu es bouleversée. Et pourtant, j'en suis sûre. Et qui l'aurait engagé? Tu sais, la boîte à musique dans le parking tout à l'heure. C'était un cadeau de mon ex le jour de notre mariage. Il savait que j'adorais Mozart. Et le jour où je l'ai quitté, cette boîte à musique, je l'ai laissée chez lui. Écoute, ce n'est pas la seule boîte à musique. Il en existe des milliers comme celle-là, voyons. Crois-moi. De cette façon, Dale me fait savoir que je suis toujours sa femme. Et que je lui appartiens. Pourquoi? Parce qu'il est dingue. Et c'est pour cette raison que je l'ai quitté.
Il fallait que j'aie un numéro privé en m'installant ici. Tu aurais dû le dire à la police, tu en avais l'occasion. Mais je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Tu ne l'as jamais vu, je crois. Non, à l'époque, on ne se voyait pas. Tu sais, il faut me croire, je n'invente rien. Tu peux venir loger chez moi si tu veux. Ton petit ami va adorer, c'est certain. Je lui expliquerai, il comprendra. Eh bien, c'est d'accord. Tu peux compter sur moi. Je sais. Et s'il revient à la charge, qu'est-ce que tu fais? J'achète une arme. Non, tu plaisantes. Sérieusement. Mais oui, je plaisante. Ciao, ma belle. Liz, tu vas bien maintenant? Oui. Tu me promets? On se voit demain. D'accord? Promis? Oui. Ciao. Ciao. Salut. Salut. T'as dîné tard ce soir? Il s'est passé quelque chose d'horrible ce soir. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Liz s'est fait agresser dans le parking tout à l'heure. Ah, et ça va? Elle n'a rien? Ça va, elle a eu de la chance. Et toi, tu vas bien? Je vais bien, oui. Oui? Oui. Ah, j'ai failli oublier. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Ouais. Oui. Oh, tu me gâtes. Oh, Barbara, c'est... Oh, regarde ça. Ouah. Barbara, c'est... un beau cadeau. C'est toi, le cadeau. Écoute, chérie, je ne sais pas quoi te dire. T'es géniale. Ça ne fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais... je suis heureuse d'être avec toi. J'ai programmé l'alarme et quand elle sonnera, tu devras penser à moi. C'est obligé. Alors, ne t'inquiète pas. Je pense toujours à toi. Ah oui? Ouais, j'arrête pas. C'est vrai. Ah oui, je t'adore. Gunnar et Barbara sont indisponibles pour l'instant. Laissez un message après le bip. Bonjour, Barbara. Barbara, je suis encore perturbée, tu sais, après ce qui s'est passé hier soir. Je vais quitter cette ville. Écoute, il faut absolument que je fasse le point. J'ai besoin de me retrouver seule. Je voulais te prévenir. Et ne raccroche pas, Liz. Ah, tu es là? Eh bien voilà, comme je te disais, je pars pour faire le point. Je ne m'absenterai pas longtemps. Attends, pourquoi tu refuses d'aller voir la police? J'ai déjà loué un chalet. Tu es décidée? Oui, je ne peux plus rester ici après ce qui s'est passé hier soir. Et si je t'accompagnais? Tu te sentirais mieux? Oui. Mais que va dire Gunnar? Absolument rien. Et au bureau?
Voyons, je n'ai plus pris de vacances depuis au moins 2 ans. Pour 2 jours seulement, ça ira. Oui. Tu fais tes bagages maintenant? Je m'y mets tout de suite. Alors, je passe à midi chez toi. D'accord. Ok. À tout à l'heure. Bureau de police, bonjour. Oui, bonjour. Il y a quelqu'un qui me suit depuis hier soir et maintenant il est garé devant ma fenêtre. Il attend. Pourquoi tu veux partir avec elle? Gunnar, elle croit que son ex la poursuit. Elle serait pas un peu parano, ta copine? Je ne veux pas qu'elle parte seule. Tu es jaloux? Non, je ne suis pas jaloux. Tu m'abandonnes. Je t'abandonne. À mon triste sort? N'aie pas peur, car je n'aime que toi. Oui, ça ne me rassure pas du tout, ça. Explique, je ne comprends pas. Ce n'est pas difficile à comprendre. Je tiens à toi, tout simplement. Lise est mon amie, on se connaît depuis longtemps. Elle a besoin de moi maintenant. Ok. Tu es fâchée? Mais non, pourquoi? Je ne suis pas fâchée. Tu es fidèle à tes amis et je t'aime encore plus. Je vais te le montrer. Ah oui. Tu en doutes? Tu vas me regretter, tu verras. Vos papiers et ceux du véhicule, s'il vous plaît. Tu sais, au fond, c'est une bonne idée. Quoi? De partir maintenant. Pourquoi? La direction m'envoie en mission cette semaine. J'ai une présentation à faire. Un tout nouveau produit. Ils n'ont pas traîné? Ouais, c'est ça, ils n'ont pas traîné. Mais je pense à une chose. Je ne serai pas loin de ton chalet de montagne et je me disais que je pourrais peut-être vous rendre visite, non? Oui. Ouais, et aussi que peut-être... Peut-être je pourrais rencontrer ta copine. Voyons. Laisse-moi te dire une chose. Je vais te manquer là-haut. Tu penses? Ouais, c'est certain. Parce qu'en plus, il ne fait pas chaud en montagne. Pas de problème, j'ai pris la couverture électrique. Et un autre engin électrique? Oui, peut-être. Hein? Mais arrête, hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête, je te dis. Tu m'appelles sur mon portable, d'accord? D'accord. Tu me laisses le numéro du chalet. Dès que Lise me l'aura donné. J'y compte bien. Et bonnes vacances. Bonne chance pour ta mission. Ouais, merci. En route. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? T'es en retard? Oui, ma voiture ne voulait pas démarrer, j'ai dû changer la batterie, ce sont des choses qui arrivent. Tu aurais dû téléphoner. Je croyais pas que ça durerait aussi longtemps. Il y a une tempête de neige là-haut. Oui, je l'ai entendu à la radio, il faudra faire attention. Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai une course importante à faire avant qu'on y aille. Okay. J'en ai pour une minute. Okay. D'accord. Je peux vous aider? Oui, voilà, j'aimerais déposer une certaine somme. Bien sûr, monsieur. Je vous fais un chèque. Voilà, je voudrais me rendre à mon coffre. Voilà ma carte d'identité. Vous avez votre clé? Je l'ai, oui. Signez ici. Très bien. Merci. Merci, je vous suis. De ce côté, je vous prie.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Oh, une caméra sophistiquée. Comme elle est chère, j'ai préféré la déposer dans mon coffre. Oh, je comprends. Direction le chalet. Je suis impatiente de le voir. Écoute ça. Il semblerait qu'Elvis soit passé à Atlantic City louer une maison avec John F. Kennedy. Ils étaient tous les deux amoureux d'une danseuse qui ressemblait à Marilyn Monroe. Les journalistes et leurs potins. C'est pas vrai. Oui, je suis à vous tout de suite. Voilà pour vous, mesdames. Bon appétit. Voici. C'est gentil. Merci. Et voilà. Tu ne veux rien manger? Non, je n'ai pas faim. Lise, sois relax. Arrivée là-bas, je le serai. En parlant du chalet, je n'ai ni l'adresse, ni le numéro de téléphone. Je n'ai dit à personne où on allait. Gunnar veut savoir où je vais. Pourquoi? Il est ton confesseur. En tout cas, je veux qu'il le sache. Tu dois avoir un portable, non? Oui, mais s'il n'y a pas de réseau là-bas. Tu veux le numéro? L'agence immobilière me l'a faxé ce matin. Bien. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, je suis désolée, mais là, il faut qu'on y aille. Quoi, déjà? Je sais, mais j'ai peur de la tempête. Se détendre. Je vais faire le plein. Oui. Gunnar, laissez un message après le bip. Salut chérie, c'est moi. On vient de prendre l'autoroute. L'ambiance est atroce. Enfin, je te donne le numéro où tu pourras me joindre. C'est le 999-0153. Tu as noté? Bon, je raccroche, je t'adore. Vous êtes à plus de 100 km de votre destination. Si j'étais vous, je ne traînerais pas dans le coin. Ne vous inquiétez pas, nous avons loué un petit chalet, il nous attend. Ah, tant mieux. Il y a une tempête de neige qui arrive. La météo nous a prévenus. Oui, nous l'avons entendu. Alors soyez prudente et n'oubliez pas les chaînes. Les routes seront glissantes. Merci, c'est ce que nous ferons. Nous avons les chaînes? Bien sûr que non. Génial. Oh, tu veux bien payer, s'il te plaît? Je reviens. Où tu vas encore, Lise? Oh, pas loin, aux toilettes. Tout est en ordre? Niveau d'huile, oui. Mais il faudra bientôt penser à changer la batterie. Combien je vous dois? 24,50. Ok. Voilà, 25. Merci, je reviens avec la monnaie. Oui.
Tu n'es pas fatigué? Non, pourquoi? Parce que tu as conduit toute la journée. Ouais, ne t'en fais pas pour ça. Est-ce que tu ne m'avais pas dit que tu avais changé la batterie ce matin? Oui, pourquoi? Parce que tout à l'heure à la station-service, j'ai regardé sous le capot. Et la batterie ne paraissait pas du tout neuve, c'est ça? C'est ça. Écoute, c'est très facile à expliquer. Acheter une nouvelle batterie coûtait trop cher, j'ai fait un échange standard. Oh! Et pourquoi tu le crains à ce point? Qui, Dale? Non, Jeannot Lapin. Les 4 années que j'ai passées avec lui ont été les plus atroces de ma vie. Il te trompait sans doute? Oui, tout le temps. Alors pourquoi tu restais avec lui? Pourquoi une femme reste, hein? Manque de confiance, peur de la solitude, j'étais complètement dépendante. Et pourtant, tu es partie. Si je ne partais pas, j'allais mourir. Et il a essayé de te suivre? Il a essayé, oui, mais j'ai eu de la chance, il a eu de gros problèmes. Quel genre de problèmes? Oh, extorsion, vol qualifié, racket, fraude. 3 États avaient des mandats d'arrêt contre lui et ils l'ont attrapé. Dans quel traquenard tu t'es laissé embarquer? Au début, quand on s'est rencontrés, c'était l'homme le plus charmant, le plus romantique du monde. Mais il a changé. Il est devenu mesquin, malhonnête, il critiquait tout ce que je faisais. Tu m'as beaucoup aidée quand on s'est revus, si tu savais. À trouver un nouveau job, un nouvel appartement, à reprendre confiance en moi. Les circonstances étaient idéales pour me donner une nouvelle chance. Si Dale est en prison, où est le problème? Il a été libéré il y a 2 mois déjà, et je viens de l'apprendre. Ne te retourne pas. Quoi? Pourquoi? Compris, ne te retourne pas. Cette voiture nous suit depuis la station-service. C'est probablement des personnes qui ont loué un chalet, comme nous. Je sais que c'est lui. Tu vois? Tu t'inquiètes pour rien, ma belle. Détends-toi, nous allons bien nous amuser. On est arrivé. C'est chouette. Comme sur la photo. Bonjour. Bienvenue. Madame Hodgkins? Oui, mais appelez-moi Sarah. Bonjour, je suis Liz Garnett. Bonjour. Voici Barbara Cates. Enchantée, Sarah. Sarah représente l'agence, une chance que c'était libre. Ah oui. Oh, ne restez pas dehors. D'accord. Je vais vous faire visiter. Ah, ce sera parfait. Oh, merci beaucoup. Faites attention, ça glisse. Entrez, mesdames, je vais tout vous montrer. Alors, déposez vos valises où vous voulez. La cuisine. Je vous ai préparé de quoi faire le petit déjeuner. Les numéros de téléphone sur le mur à utiliser en cas d'urgence. Le magasin est au bas de la rue à plus ou moins 3 km de ce côté-là. Et ça, c'est notre cheminée pour faire une belle flambée. Oh, vous verrez, c'est très agréable. D'accord. Alors, les allumettes sont ici. Voilà, d'accord? Pas de problème. Le salon. Alors, la télé satellite et ses chaînes spéciales, donc vous aurez le droit de choisir la chaîne de sexe que vous voudrez. Okay. Ah oui, j'oubliais de vous dire, s'il vous plaît, n'ouvrez surtout pas cette armoire-ci. Non, car tout ce qu'elle contient n'est pas compris dans la location. Et si on est attaqué par des bisons? Je vous conseille d'éviter de porter du rouge. Okay. Vous pouvez contacter Sam Watrous, c'est notre shérif. Oh oui, c'est joli, je crois qu'on y sera en bien. Effet. Et les pistes de ski ne sont pas trop loin? À peu près 1 km, il faut y aller en voiture. Nous avons des pneus neige. C'est très bien, oui, mais s'ils n'ont pas dégagé les routes, c'est plus prudent, à mon avis, d'utiliser le chasse-neige. Vous êtes sérieuse? Mesdames, bienvenue chez nous. D'autres questions? Je crois que vous nous avez tout dit. Les Mackenzie habitent juste en face, mais ils sont en vacances. Et je m'occupe de leur chien Cody, je passerai donc tous les matins m'assurer de votre confort. Je crois que nous n'aurons aucun problème. Oh, vous n'imaginez pas ce qui arrive quand la tempête fait rage. Sarah, merci 1000 fois pour votre accueil. Je vous en prie. Alors, je vais rentrer. Quant à vous, profitez-en. Et passez une bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Oh, il était temps. Je le trouve sympa.
Oh oui, toi tu aimes tout le monde. Je suis comme ça. La vache! Bonjour mesdames et messieurs. La première vague de la tempête de neige est passée et les pistes sont très agréables. Alors profitez-en pour faire de belles promenades. On se racontait tous nos secrets. Quand tu avais dit comment Jimmy Warden était entré dans ta chambre et que tes parents ne l'avaient pas vu, tu étais la seule à garder un secret à l'époque. Je ne l'ai dit à personne. Jimmy, oui. Je me rappelle qu'il l'a raconté à tout le monde. À l'école, j'étais tellement gênée que je n'ai plus parlé pendant des jours. Sauf à moi. Évidemment. Liz, tu n'as pas un secret à me confier. Quel genre ?
Je ne sais pas. Tu sais, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Bon, je suis probablement stressée à cause de Dale et toute cette histoire. Ok. J'aurais essayé. Je suis ton amie. Je serai toujours là. C'est sympa. Les amis sont là pour ça, non? La nuit dernière, la tempête a laissé une belle couche de neige sur toute la station. Les pistes sont idéales. Les quartiers résidentiels ont été épargnés, mais ça ne sera pas le cas pour la seconde vague de tempête attendue en fin d'après-midi et dans la soirée. La météo prévoit de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 80 km à l'heure. Salut, du café? Les autorités ont demandé aux services compétents de les tenir informés de l'évolution de la situation. Oui, tu vas quand même skier? Avec une météo aussi nulle, je vais rester au chaud. Je te crois pas, tu es un casse-cou. Oh, un casse-cou, je suis d'accord, mais dingue, non. Allô? C'est moi. Salut, chérie. Vous êtes bien arrivée? Oui, on est saine et sauve. Comment ça va en Sibérie? Tu as entendu parler de la tempête? Oui, les nouvelles en ont parlé. Comment ça va là-bas? Ta copine a mis son masque de hockey et chaussé ses patins. Arrête. Tu sais, je pourrais louer une voiture et être près de toi dans 2 heures. Les routes sont dangereuses, chérie. Ne viens pas, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que c'est? L'alarme de ma montre. Tu vois, je pense toujours à toi. Je n'aime pas quand on est séparés. Moi non plus. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ciao. Qui c'était? Gunnar, il voulait s'amener ici pour nous protéger de la tempête, mais je lui ai dit non. Tu as eu raison. Tu vois? Il y a une chose que je n'ai pas bien comprise. Laquelle? C'est quoi cette histoire de batterie? Histoire de batterie? Tu ne l'as pas remplacée, je le sais. Tu veux savoir, c'est important? Oui, je crois que ça l'est. Soit. Écoute, j'ignore pourquoi je raconte des histoires. Oui, je mens parfois. J'ai eu honte d'être en retard et je n'ai pas voulu admettre que j'étais désorganisée. Je te dis, j'ai eu honte, alors j'ai bêtement, stupidement inventé cette histoire. Tu es ma meilleure amie, alors pourquoi tu me mens? Tu as raison. Ok. Où tu vas, chérie? En ville, faire des courses. Tu viens? Non, je reste ici. Comme tu veux. Oh! Tu veux bien me rendre un petit service? Bien sûr. Tu veux poster ça? Qu'est-ce que c'est? Une lettre pour le bureau. J'ai oublié de l'envoyer. Ça doit être fait. Bien sûr. Très important. Ok, pas de problème. Barbara? Je suis désolée. C'est déjà oublié. Mais plus d'histoire, ok? Ok. Bien. Désolée. Ce n'est rien. Ah, heureusement, c'est encore ouvert. Oui, madame, pour encore 10 minutes. Oh, je dois faire quelques provisions. Bonne idée. Avec ce temps-là, il faut imiter les ours et hiberner. Les routes sont barrées, à ce que je vois. Oui, ma petite dame. Le col est fermé et sans chasse-neige, vous ne passerez pas. Jusqu'à quand? Salut, Léo. Encore 2 jours. Mmh. Un café pour la route? Et pour vous? Un café. Madame a du goût. Mon ami et moi avons loué un chalet de l'autre côté du village. Oui, je sais bien. Sarah Hutchkins m'a parlé de vous deux. Je m'appelle Sam Watrous. Il n'y a pas à dire, vous nous avez apporté le beau temps. En effet, oui. Allô, ici Léo. Sam, Clay pour toi. Oui, je t'écoute, Clay. C'est la poisse, ça fait longtemps. Est-ce que c'est grave? Ok, ok, alors ne bougez pas de là, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Un accident. Un camion a percuté un bus et
Aucun médecin ne peut aller sur place. Les hélicoptères sont au sol. On a demandé à des volontaires de se tenir à notre disposition. Rien de bon, quoi. Ça va durer combien de temps? Le temps qu'il faudra. Au revoir, madame. Vous êtes précipité dans la gueule du loup. Vous voyez le résultat. Je fermerai plus tard. Prenez vos provisions. J'en ai pour une minute. Prenez tout votre temps. La seconde vague de tempête de neige a provoqué de nombreux accidents sur les autoroutes. La police et les services locaux travaillent ensemble pour dégager les routes, mais la couche de neige est importante et notre envoyé sur place pense qu'il y a peu de chances pour que les routes soient complètement dégagées avant demain matin. La météo nous fait savoir que la deuxième vague attendue sera encore plus forte. La prudence est donc de rigueur. Si vous le pouvez, évitez de prendre la route ou de vous déplacer. Vous risqueriez de vous retrouver bloqué dans vos véhicules. Restez à l'abri dans vos maisons, la température va encore chuter. Salut. Salut. Je viens simplement voir comment vous allez. Oh, ça va, vous voyez? C'est parce qu'il va y avoir la tempête. Oui, oui, j'ai entendu. Et plus violente que la nuit dernière. Pas de problème, on fera du feu. Ah, il y a une réserve de bois là derrière. Oui, merci, je trouverai. Votre amie, où est-elle? Elle est allée faire des courses au magasin. Ah. Oh. Je vais prendre Cody avec moi. Cody? Le chien des voisins. Très bien. Bon, s'il vous faut quelque chose, je ne suis pas loin. C'est gentil, merci. Au revoir. Au revoir. Foutue tempête, pas vrai? Oh, des céréales. C'est simple. Vous ne voulez pas de cette soupe? C'est pour les enfants. Vous n'allez pas dormir très tôt, n'est-ce pas, hein? Votre ami et vous? C'est exact. J'ai pris une chambre à l'hôtel. Un temps comme celui-ci donne envie de se mettre au lit très vite. Si vous êtes bloqué ici, vous pourrez regarder la télé sur une chaîne satellite, vous voyez à quoi je pense. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Les vacances. Ah, vous êtes en vacances. Que pensez-vous de la météo? Ça fait partie de l'aventure. Et moi, je fais partie de l'aventure? Excusez-moi. Voilà. J'oubliais, est-ce que vous pouvez poster cette lettre pour moi? Oui, mais le courrier ne sera probablement relevé qu'après la tempête. Oh, il n'y a pas de souci. Ça fera 35,36 $. Merci. Il vaut mieux que vous rentriez. Parce que là, je vais fermer. Oui, pas de problème, j'y vais. Merci. Vous savez, je vous ai suivi pendant un certain temps hier. C'est comme ça que je sais que vous êtes deux. Laissez-moi. Oh oui, vous avez laissé vos phares. J'espère que vous avez encore du jus. Allez. Vous savez quoi? À l'hôtel, ils vont laisser le bar ouvert. Venez donc boire un verre tout à l'heure. Tous les deux, on va passer un bon moment, c'est certain. Voyez, je savais que vous n'auriez plus de jus. Ah. Ouvrez le capot, j'ai des câbles. Alors, ouvrez le capot ou vous allez dormir toute la nuit dans la voiture, vous avez le choix. Et laissez-moi tranquille. Comme vous voulez. L'hôtel est à 2 km, je vous attends. Je vous ai dit non. C'est pas la peine de faire des chichis, ouvrez la fenêtre et on va causer 2 secondes. Mais pourquoi vous vous entêtez? Votre ami et vous,
Je sais dans quel chalet vous êtes. Bon, d'accord, je vais y penser, mais d'abord, faites démarrer cette voiture. Ok, vous pouvez démarrer. Démarre. Oui. Hé hey! Dites à votre ami que son ex l'est encore et qu'il attend! Oh, tu es déjà là? C'est quoi ton problème? Je n'en sais encore rien, c'est à toi de me le dire. De quoi tu veux parler? La nuit dernière, j'ai vu une voiture devant le chalet et je viens de la revoir en ville. Un type était là et cherchait la bagarre. Il a dit qu'il connaissait notre chalet. Je t'ai dit hier qu'un type nous suivait, tu n'as pas voulu écouter. C'est Dale, pas vrai? Je crois que oui. Pourquoi tu m'as mêlée à cette histoire? Oh non, je ne t'avais pas invitée, tu t'y es mise toute seule. Tu aurais dû m'expliquer la situation. Tu peux t'en aller, je ne te retiens pas. Non, je ne peux pas, Liz. Les routes sont toutes fermées, je suis coincée ici, que je le veuille ou non. Dis donc, si on essayait de parler de tout ça. Qu'est-ce que tu as encore à me dire, Liz? C'est clair pourtant. Clair pour toi? Je veux que tu me dises exactement dans quelle pièce on joue. Bon. Toutes les deux, on est des personnes normales. On ne dépasse pas la frontière. On peut faire du mal. On peut aussi être folle à certains moments, mais jamais nous ne franchirons la ligne. Non, car la morale nous l'interdit. Mais Dale n'est pas comme ça. Explique. Quand on s'est mariés, Dale et moi, on avait un chat qui s'appelait Julius. Il a abîmé toutes nos affaires. Alors un jour, Dale l'a attrapé et l'a jeté dans l'eau chaude. Il lui tenait la tête sous l'eau. Quand j'ai voulu savoir pourquoi, il a dit « Les jeux du chat sont terminés. » C'est dégoûtant. J'ai compris qu'il n'était pas tout à fait normal. Alors j'ai décidé de vérifier tout ce qu'il m'avait dit. Oui, par exemple pour ses parents. Eh bien, ses parents? Il m'avait raconté qu'ils étaient morts dans un accident d'avion. La vérité, en fait, était toute différente. Il n'y avait pas eu de crash. On avait cambriolé leur maison, tu comprends? Ok, mais pourquoi il t'a menti? Devine. La maison n'avait pas été cambriolée? Rien n'avait disparu. Dale était le suspect numéro un. Les services de la PJ, convaincus que c'était lui, n'ont rien pu faire faute de preuves et l'ont libéré, tu vois. Il est sorti complètement innocenté. Et tu crois qu'il les a tués? Je sais qu'il les a tués. Et maintenant, il essaye de me tuer. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il croit que je l'ai abandonné. Et j'ai aidé la police à l'envoyer en prison la dernière fois. Oh, écoute, Liz, c'est ce qu'il fallait faire. C'est vrai. C'est bloqué. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne devines pas? Je n'y arrive pas. Laisse-moi essayer. Et voilà, notre sécurité est garantie maintenant. Bien. Qu'est-ce que nous avons? Mais seulement, il nous manque une chose. Oui, quoi? Les munitions. Oh. Regarde dans l'autre armoire.
Viens, Cody. Oui, tu peux sortir. Cody! Cody! Cody, viens, mon chien! Cody! Oh, ce chien est insupportable! Cody! On devrait pourtant trouver des balles quelque part. Allô? Lise? Oui? C'est Sarah. Je viens de rentrer chez moi et en arrivant, Cody est sorti de la voiture. J'ai l'impression qu'il est parti directement se cacher derrière votre chalet. Si jamais il lui arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai pas. Donc, si vous le voyez, s'il vous plaît, appelez-moi. Oui, je vous appelle si je le vois. Ok. Et vous, abritez-vous parce que la tempête sera violente. Oui, au revoir. Au revoir. Qui c'était? Sarah Hodgkins. Le chien est ici et elle a demandé qu'on le surveille. Comme si on n'avait rien de mieux à faire. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais déjà dû faire ce matin. Bureau du shérif? Allô, je voudrais parler au shérif Sam Watrous. Désolée, madame, il a été appelé pour un accident, il n'est pas disponible. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Clay Tomlin, shérif adjoint. Bonjour, shérif. Mon ami et moi... Avons loué un chalet cette semaine à Marshall Falls. Nous pensons que nous avons été suivis. Nous avons besoin de votre protection. Bien. Je vais faire un rapport. Pour le moment, c'est tout ce que je peux faire. Non, je pense que vous ne m'avez pas comprise. Nous avons besoin d'aide tout de suite. Je suis désolée, madame. Tout mon personnel est sur les lieux de l'accident. Une tragédie épouvantable. Il y a des morts, des blessés. Nous avons dû envoyer une grue. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on fait alors? Je dois répondre au téléphone. On doit assurer la permanence dans trois... Comptez. Je comprends, mais j'aimerais savoir ce que nous devons faire, nous. Écoutez... Barricadez-vous. Je vous enverrai quelqu'un dès que je le pourrai. Alors là, avec vous, on est en sécurité. Pas de policier? Non, même pas un garde forestier. Tu sais quoi? Je vais appeler Gunnar. Ici Gunnar, laissez un message après le bip. Gunnar, c'est Barbara. Je t'en prie, téléphone dès que tu peux, c'est très important. Barbara, j'ai trouvé! C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. On n'en a que deux. Oui, c'est mieux que rien, non? Tu en prends une, moi l'autre. Tu as une meilleure idée? C'est que je crois que la meilleure tireuse doit prendre les deux. Est-ce que tu as déjà tiré auparavant? Non. Et toi? J'ai déjà tiré sur des canettes, mais pas vraiment sur... Alors tu sais t'en servir. Moi? Lise, tirer sur des canettes, c'est pas comme tirer sur ton ex. Quoi qu'il arrive, on pourra dire que c'était de la légitime défense. C'est la légitime défense. Oui, t'as raison. On les laisse ici, à n'utiliser qu'en cas de besoin urgent, ça évitera tout accident. Il ne neige plus, regarde. Ah, il était temps. Oh, tu entends? Quoi? Écoute. Oui, on dirait un chien. Je le vois pas. T'inquiète pas, il sortira de la forêt quand il aura faim. J'y vais. Allô? Moi, j'ai reçu ton message, tout va bien? Non, on est en danger. Écoute, l'ex-mari de Lise est dans le patelin. Il a décidé de la tuer. Tu plaisantes? Non, il nous suit depuis qu'on est parti. Je l'ai vu, je lui ai parlé, j'ai peur, Gunnar. Bon, je viens tout de suite. Je suis désolée. Je serai là dans pas longtemps. Oui. Cody! Cody! Fais-lui sentir ça, il viendra tout de suite. Oh, quelle odeur! Cody, viens ici! Où es-tu, le chien? Sale Klebs, viens. Cody!
Et regarde, là sous l'arbre, tu le vois? Bon, quoi, tu viens avec moi? Je t'attends ici. Alors, tu te dégonfles, c'est nouveau, ça. Dale veut me tuer, c'est sûr. Attends, Barbara. Tu oublies quelque chose. Garde-le et couvre-moi. Cody! Cody! Où es-tu passé? Allez, viens ici, mon chien! Cody! Viens ici! Cody! 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 Viens ici! Viens, mon chien! Allez, viens, viens ici! Mais où est-ce que tu te caches? Cody! Cody! Cody, viens manger! Où es-tu? Allez, viens, viens ici! Viens, Cody! Cody, sors de ta cachette! Il est mort. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est une vraie boucherie. Non, c'est pas vrai. Mais tu te souviens de l'histoire de ton chat? Est-ce que tu as vu Dale? Non, je n'ai vu que des traces dans la neige. Il est dans la forêt. S'il se pointe chez nous, abat-le comme le chien. Ce sont les branches d'arbres contre le toit. Oui, sûrement. Enfin, peut-être... Lise, s'il te plaît, ça suffit. Arrête de m'effrayer, tu veux? Oui, pardon. De toute façon, Gunnar ne va pas tarder à arriver. J'en doute. Oui, parce que le temps est difficile, les routes barrées, la neige... Enfin, ne t'inquiète pas, surtout. C'est facile à dire pour toi, tais-toi. Jean. Encore? Écoute, Lise, je vais m'arrêter de jouer parce que je n'arrive pas à me concentrer. Barbara, tout ce que je t'ai raconté hier n'était pas tout à fait la vérité, pardon. N'en parlons plus, d'accord? Tu es ma meilleure amie, non? Oui, tu le sais bien. Je sais, oui. Oui. Je ne t'ai pas encore tout dit. Quoi encore? Il faut que je te dise tout pour que tu saches ce qui nous attend. Parle. Dale va se pointer ce soir. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je le sais parce que je l'ai prévu. Tu as prévu quoi, Lise? On doit le tuer. Il veut son pognon. Quel pognon? Le pognon qu'il a pris lors de son dernier casse. Il sait que je l'ai et il veut le récupérer. Ben tiens, c'est ça que tu transportais dans ta valise? 2 millions de dollars. Tu es complètement barge. Barbara, je dois le tuer. Oh oui, je dois le faire, je dois le tuer pour me venger de tout ce qu'il m'a fait subir. Argent, embuscade, mais tu perds la tête, c'est non, Lise. Il n'y a aucun risque, tu sais. Ah, tu as tout prévu, c'est pas par hasard qu'on est venu ici. Écoute-moi. C'est plus prudent que ce soit toi qui tire. Laisse-le approcher d'ici et ensuite abat-le. Et ne le rate pas. Tu es ma meilleure amie. Mais jamais je ne ferai ça, tu entends? Je
te donnerai de l'argent. Pas question! Oh, c'est lui, j'en suis sûre. Oh non. Tiens ça. Quoi? Et où tu vas? Attends. Et chercher des bougies. Oh, ne retourne pas là. Et pourquoi? J'ai ouvert la porte. Tu as fait quoi? Oh, il faut faire quelque chose. La ligne est coupée. Il a sectionné le fil. Apprends le fusil. Oh non. Allez, plus vite. Lise? Réponds-moi, où es-tu? Lise? Tu voulais jouer sans moi, mais ça marche pas. Si vous montez encore une marche, je vous préviens, je vais tirer. Vous n'allez pas tirer. N'approchez pas. Vous avez un problème. Oui, un énorme problème. Votre ami et vous, vous êtes seuls. Seuls, sans téléphone. Les secours sont bloqués. Où est le pognon? Il est dans la valise. Allez la chercher et sortez d'ici. Non, il n'était pas là. Le pognon n'était pas là. Où est-il? Elise, tu viens, j'ai besoin de toi. Je repose la question, où est le pognon? Je n'en sais rien. À ta place, je causerai, ma poule. Ne me force pas ou je vais cogner. Est-ce que tu vas bien? Non, Lise. Non, pas bien du tout. Tu as fait ça pour moi, je le crois pas. La vache! Quoi? C'est pas d'elle. C'est pas d'elle? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est le type que j'ai vu ce matin, celui qui me cherchait, je te l'ai dit, rappelle-toi. C'est Wiley H. Prévost. Oh non! Liberté conditionnelle, probablement un copain de prison d'elle. C'est le type du parking, c'est certain. Ces chaussures, ce sont les traces que j'ai vues dans la neige. Quoi? Encore un coup de Dale. Allez, mêle-toi, il faut vérifier la porte. Ah! Un secours, Elise! Thank you.
Ça va? Oh, Gunnar! Gunnar! Hé! Hé! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ma chérie, tu es gelée. Oui. Tiens. Je suis là. C'est pas un temps à se balader. Merci, chérie. Je me sens mieux. Il l'a tué. Quoi? Qui a tué qui? Lise. Dale l'a tué. Barbara, mais de quoi tu parles? On aurait dû quitter le chalet au moment où il en était encore temps et on est resté. Ben, je crois qu'il faut aller vérifier. Non, non, ne m'emmène plus là, Gunnar. Barbara, elle est peut-être vivante. Non, elle est morte, je te dis, et je l'ai vue. S'il te plaît, ne m'emmène pas là. Oui, mais... C'est trop dur. J'appelle la police. Allô, police? Oui, je vous contacte pour vous signaler... une agression, et peut-être même aussi qu'un meurtre a eu lieu là et... Tu ne vas pas y aller, hein? Non, non. Non, je n'y vais pas. Je vais rester ici avec toi. Repose-toi et détends-toi. Le moteur tourne et tu peux te réchauffer. Oui. Sois tranquille, je suis là. Gunnar! 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 Oh, répondez. Shérif adjoint Clay Tomlin à l'appareil. Alors, on vous attend. Où ça, madame? Au chalet, mon ami vous a téléphoné pour un meurtre. On nous a signalé aucun meurtre, madame, et je suis ici depuis hier matin. Mais qu'est-ce que vous racontez? Dites-moi plutôt ce qui s'est passé. J'appelle parce que deux personnes sont mortes, et peut-être aussi mon ami, voilà ce qui s'est passé. Quoi? Dites-moi votre nom. Barbara Gates. Oui, je me souviens de vous. Ne bougez pas, j'envoie immédiatement quelqu'un. Dépêchez-vous. Ah, t'es là.
Gunnar, tu m'as fait peur. Désolé, mon cœur. Où t'étais passé? Là-bas, j'ai regardé partout, mais... j'ai rien vu, aucun mort, aucun blessé. Rien du tout. Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Emmène-moi loin d'ici, je t'en prie. Cet endroit me rend particulièrement nerveuse. Oui, d'accord, viens. Qu'est-ce que ce gars, Dale, je crois, lui voulait? Liz lui a volé du pognon, je pense. Oui, tu sais où il est? Le pognon? Ouais. Non, non, elle ne me l'a pas dit. Elle aurait pu te le dire parce que vous étiez les meilleurs amis du monde. Oui, je croyais connaître Liz. En fait, elle racontait des histoires. Ouais. C'est drôle ce qui s'est passé. Ouais. Autre chose, pourquoi tu crois que la police n'est pas encore ici? Je sais pas. Tu les as appelés de la voiture, je me le rappelle. Ouais, mais les relais des portables sont parfois très bizarres, ce qui fait qu'ils n'ont peut-être pas bien compris ce que je disais. Oui, oui, c'est pas grave. J'ai appelé, ils vont venir. Et ils vont venir maintenant, là. Avec quel téléphone? Avec le téléphone de Liz. Tu sais, Barbara, il y a des moments où vraiment tu m'exaspères. Ah oui, pardon de t'exaspérer, Dale. Ah non! Non! Lâche-moi! Lâche-moi! Tiens, mon cœur. Tiens, mon cœur. Laisse-moi partir! Attends, tu ne m'auras pas dit où est mon pognon. Tu finiras bien par me le dire. Non! Regarde là-dedans! Faut pas avoir peur, ceux-là ne parleront plus. Pourquoi moi? Quand Liz a volé mon pognon, et crois-moi, je n'en avais jamais eu autant, j'ai cru que le ciel s'écroulait. Et je me suis rappelé qu'elle avait une très grande amie, la bonne vieille Barbara Cates, celle à qui elle racontait tout. Tu devines la suite. J'ai changé mon nom et je me suis inventé une histoire. Tu as tout avalé très facilement. Tu es un minable, Dave. Et attends, t'as pris ton pied, non? J'étais amoureuse de toi. Toi, ouais. Tu es un être humain, après tout. Et pourquoi la fausse agression? Ben, parce qu'il fallait que Liz s'enfuit avec mon fric. Ouais, il fallait que je reste dans l'ombre, tu vois. Et voilà pourquoi j'ai envoyé ce pauvre Wiley. Pour effrayer Liz. Ah, c'était le meilleur moyen. Tu n'as pas intérêt à t'enfuir. Je te briserai les jambes s'il le faut. Tu as pigé? Attention où tu marches. Ici, c'est au poil. Ok. Vas-y, creuse. Commence à creuser, j'ai dit. J'ai dit... creuse. Allez, creuse. Tu sais, tu me casses les pieds.
Ça m'est égal. Je vous ai vu toutes les deux à la banque. J'ai vu Lise en sortir, se balader avec la valise. Ensuite, je vous ai suivi jusqu'ici. Et au resto de la station-service, elle ne se planquait pas parce que la valise était dans la voiture. Et toi, tu étais trop stupide pour la trouver au chalet. J'ai bien fouillé partout, elle n'y était pas. Tu as vu l'état du chalet, non? Elle était dehors, espèce d'idiot. Non, pas du tout. Notre amie Lise, que tu vois ici, est sortie seule pendant la nuit, l'a planquée dans la neige, elle a cru m'avoir. J'aurais voulu qu'elle te tue. Il faut que tu comprennes une chose, Barbara. Tu as de la chance d'être encore vivante à mes côtés. C'est comme ça que tu vas te débarrasser de moi. Je suis là, Barbara! Tu m'entends? Je vais te sortir de là! J'ai fait le 911, tu vas voir, ils vont pas tarder à arriver. Oh non, arrête de mentir. Tu ne sais même pas où on est. Barbara, je ne veux que mon blé, moi. Combien de fois je vais devoir te le dire, j'ignore où il est. J'ai l'air stupide à ce point? Hein? Tu étais avec elle au chalet. Ok, et si je sais où il est et que je te le dis, qu'est-ce que tu vas faire? Bah peut-être que je te laisserai en vie. Ah, raconte ça à d'autres, Gunnar. Ou plutôt Dale, puisque c'est ton vrai nom. Attends une seconde. Hein, ne bouge pas, je reviens, d'accord? Je serai pas long. J'en ai marre. Ah, tu veux jouer à ce jeu-là? Eh bien, d'accord. C'est ce que tu veux, chérie? Tu vas la voir. Une surprise pour Barbara. Une petite surprise, ouais.
J'adore l'odeur de l'essence le matin. Pas toi ? D'accord, Barbara chérie. J'aime beaucoup ce jeu. Je te grillerai s'il le faut. Oh, ok, ok. Oui, oui, tu as gagné. Je sais où est l'argent, arrête. Liz l'a caché dans les sièges de la voiture. Elle a enlevé la mousse et elle a mis le pognon. Il est là depuis toujours, tu entends? Si c'est vrai ce que tu racontes, alors donne-le-moi. Non, je ne te ferai pas ce plaisir. Viens le chercher toi-même. Ok, si tu veux. Tu as oublié ça? Lâche ça, ma vieille, je vais venir, tu vas voir. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Voici le courrier de Liz pour vous. C'est gentil. J'ai reçu ceci chez moi. Vous pouvez m'expliquer? Combien il y a sur votre compte? Bonjour, je dois aller dans mon coffre. Pouvez-vous m'y conduire? Voici ma carte d'identité. Vous avez la clé, Madame Garnett? Oui, je l'ai. Veuillez me suivre.